Salut à tous. Alors, pourquoi, si je devais commencer de zéro aujourd'hui, je prendrais probablement System.io? Alors, on va parler de cette solution aujourd'hui. On va la comparer à d'autres solutions, en particulier WordPress. On va voir que les outils ces dernières années ont vraiment évolué. Donc, on commence tout de suite par c'était quoi un peu le monde d'avant? Et le monde d'avant, c'est la solution sur laquelle tourne Traffic Mania. Alors, Traffic Mania, ça tourne sur WordPress, qui reste toujours le CMS numéro un pour les blogs. Donc, il faut savoir que lorsque vous allez utiliser WordPress, vous allez avoir une solution qui est vraiment sur mesure, mais qui va nécessiter un certain nombre d'outils complémentaires pour faire un écosystème qui soit un business viable. Donc, en gros, vous avez la partie site internet qui va tourner sur WordPress. Il va falloir pour cela acheter un nom de domaine. Il va falloir aussi pour cela prendre une solution d'hébergement. Il faudra bien sûr personnaliser votre thème WordPress et utiliser un certain nombre de plugins pour faire des pages sur mesure ou avoir des fonctions marketing intéressantes. Donc, par exemple, la suite ThriveThème qui est vraiment excellente. Il faudra aussi utiliser un autorépondeur pour envoyer vos emails et il faudra aussi utiliser un outil de gestion de vente pour envoyer à vos clients leur lien d'accès, pour sécuriser le paiement, pour éditer les factures en automatique, faire les espaces clients dans lesquels les gens vont pouvoir consulter leur formation, etc. Donc tout ça fonctionne très bien et c'est la solution sur laquelle tourne Traffic Mania, c'est-à-dire blog WordPress, autorépondeur, système de gestion de vente, plus ben voilà, les plugins, l'hébergement, etc. L'ensemble des choses qui font qu'on obtient un site qui fonctionne. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé avec l'apparition des outils intégrés. Les outils intégrés, c'est par exemple Podia, ClickFunnels et surtout System.io dont je voulais vous parler. Pourquoi moi aujourd'hui je prendrais probablement System.io pour commencer? Alors, System.io, c'est quelque chose qui a été créé par Aurélien Macœur, qui était à l'origine un blogueur qui travaillait principalement dans la thématique du marketing internet. Et un jour, il a décidé de lancer son propre système qu'il a appelé System.io. Alors, pour la petite histoire, c'est pas le premier à avoir fait ça. À l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, pour les plus anciens, Jean Rivière, donc de Web Marketing Junkie, avait lancé un truc qui s'appelait Banana Prod, qui était aussi un système qui permettait d'héberger les formations, etc. Mais il n'y avait pas vraiment la partie autorépondeur et puis, il l'a abandonné assez rapidement parce que je pense qu'en termes de maintenance, de développement, enfin voilà, c'était pas quelque chose dont il devait être forcément satisfait en termes de charge de travail, etc., etc. Donc, Aurélien Macœur, quand il a lancé System.io, il a une idée qui est de se dire, OK, je vais faire un outil tout en un. Et bien sûr, il commence en investissant de l'argent, mais les débuts n'étaient pas toujours hyper convaincants. Moi, je me souviens de ce que disaient les blogueurs à l'époque. Ouais, le support, c'est sur un groupe Facebook, ça marche pas très bien, l'outil n'est pas encore abouti, etc. Donc moi, voilà, je regardais ça un peu de loin en me disant, bon, ok, peut-être que ça sera bien, mais à aujourd'hui, c'est pas la solution. Moi, j'ai vraiment mis les mains dans System.io il y a quelques mois à l'occasion d'une formation qui était destinée aux coachs, en leur disant, voilà, si vous êtes coach et que vous voulez monter un site facile, prenez System.io. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, c'est vraiment un truc qui est abouti. Et qui en un outil permet d'avoir l'ensemble des outils dont je vous ai parlé avant. C'est-à-dire que System.io, il vous permet de faire un blog, ben voilà, comme WordPress. Alors c'est sûr, il n'y a pas toutes les fonctionnalités que tous les plugins peuvent vous apporter, mais il y a les choses principales dont vous aurez besoin, elles y sont. Ça résout aussi ben, tous les problèmes qui sont d'hébergement, puisque c'est intégré à System.io. La seule chose que vous aurez besoin d'acheter à côté, c'est le nom de domaine, donc le nom de votre site.com. Et il faudra faire une petite manip technique pour marier votre nom de domaine, faire le lien entre votre nom de domaine et System.io. Mais franchement, ce n'est pas compliqué à faire. Et l'aide System.io est vraiment bien fournie et bien fichue. Et moi, j'ai testé le support. Ils répondent vite en français. Et donc, c'est pas mal. Donc, vous avez le blog, donc l'hébergement qui va bien. Vous avez toute la partie gestion de produits, c'est-à-dire vous pouvez y héberger vos formations, avoir des espaces clients dans lesquels les gens vont se connecter pour regarder les vidéos de formation. Vous pouvez faire de l'affiliation. Vous avez aussi toute la partie autorépondeur. Donc en clair, là où Traffic Mania va fonctionner avec 3-4 solutions, là vous en avez qu'une seule. Et en termes de coûts, c'est super intéressant parce que bah, évidemment, les outils WordPress dont je vous ai parlé, à chaque fois, c'est un ticket supplémentaire. Il faut savoir que moi, mon autorépondeur, vu le nombre de personnes qui sont dessus, ça me coûte à peu près 250 € par mois. Et encore, je prends la formule
avec abonnement, engagement pendant 2 ans et tout, pour avoir les meilleurs tarifs. Donc ça coûte assez cher, l'autorépondeur. Il faut savoir que, vu mon nombre d'inscrits, si j'étais chez System.io, ça me coûterait 97 € par mois et j'aurais absolument toutes les fonctionnalités. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que ça vous donne un outil qui est techniquement simple, qui vous permet de faire du blog, qui vous permet de capturer des inscrits, qui vous permet d'envoyer des emails, d'envoyer des newsletters, qui vous permet de créer vos formations. Vous pouvez commencer ça gratuitement puisque je crois que la solution est gratuite jusque 2000 abonnés et une formation. Donc ça vous permet de lancer le business, de tester les idées, d'avoir un design qui est pro, de collecter des emails, d'avoir un seul outil et d'avoir quelque chose qui va vous coûter nettement, nettement moins cher. Alors, je pense que le rapport en termes de coût entre ce que je paye moi aujourd'hui et System.io, je serais dans un rapport de 3 à 4. Je pense qu'aujourd'hui, ma solution technique, elle coûte 4 fois plus cher que System.io. Alors, est-ce que je vais tout changer? Non, je ne vais pas le faire. Je n'ai pas envie, moi, de reprendre tout mon bazar technique, tous mes inscrits, tous mes articles et de migrer ça vers un autre système. Tant pis, la solution que j'ai, elle fonctionne, elle est professionnelle, elle est efficace. Attention, je ne suis pas en train de dire que ça ne fonctionne pas. Au contraire, hein, WordPress vous permet d'aller beaucoup plus loin dans la personnalisation et vous aurez accès à beaucoup plus d'outils que System.io. Mais n'empêche que si aujourd'hui je devais monter un business de zéro, j'irais sur System.io parce que, voilà, étape 1, j'achète mon nom de domaine chez un vendeur de nom de domaine, genre GoDaddy ou OVH, peu importe. Le coût, il est de quoi 10 € par an à peu près. Je prends System.io, c'est gratuit jusque 2000 inscrits. Et avec ça, j'ai le blog, je peux capturer mes inscrits, j'ai les fonctions auto-répondeur, j'ai les fonctions système de gestion de vente, les éditions de factures, je peux faire de l'affiliation. Bref, en gros, je peux commencer un business avec rien du tout, quoi. Rien du tout en termes d'investissement financier, en termes de difficultés techniques. Donc, il faut vraiment reconnaître qu'au fur et à mesure des années, ils ont construit une solution qui est particulièrement efficace. Là où le support, c'était un vieux groupe Facebook, aujourd'hui, c'est un support qui fonctionne bien, par email, réponse rapide, professionnelle, un niveau de support qui est vraiment qualitatif. Moi, je l'ai testé, ça marche bien. Une bibliothèque de ressources qui est importante, une facilité technique. Les principales fonctionnalités dont vous aurez besoin pour monter un business en ligne, le tout en démarrant gratuitement. Franchement, je vois pas pourquoi aujourd'hui il faudrait choisir une autre solution. Alors après, ils ont des concurrents, on peut parler de Podia, on peut parler de ClickFunnels. Ils ont tous leurs avantages, leurs inconvénients, mais franchement, moi je trouve que dans la sphère francophone, System.io, pour la facilité, c'est vraiment aujourd'hui l'outil que je recommanderais. Voilà, donc si vous partez de zéro, allez jeter un coup d'œil sur leur page. Si vous voulez, vous pouvez même utiliser mon lien affilié, il est là dans la description. Donc si vous utilisez mon lien affilié, je vous en remercie. Pour vous, ça ne changera pas le prix. Simplement, si un jour vous devenez client payant, System.io me reversera une petite commission. Ça va être un outil que je vais présenter de plus en plus dans les formations à venir parce que je le trouve intéressant en matière de simplicité. Et la simplicité, c'est aussi du temps de cerveau pour le business. Donc c'est important pour la réussite. N'oubliez pas de rejoindre la newsletter de Traffic Mania. Donc, vous avez aussi le lien dans la description. Quand on est inscrit à la newsletter de Traffic Mania, on reçoit déjà immédiatement 2 formations sur le copywriting gratuites qui sont vraiment utiles pour améliorer votre taux de conversion. Mais vous aurez aussi accès à mes emails avec des astuces exclusives que je ne partage qu'avec mes inscrits. On se retrouve donc dans la newsletter maintenant tout de suite pour vos bonus. À bientôt.